on estime, il y a environ 600 apiculteurs sur l'île, 150 professionnels, et les autres sont des apiculteurs de type familial ou pluriactif. Voilà. Donc pour une production de miel annuelle en moyenne de 250 tonnes, et la consommation étant de 500 tonnes. Donc il y a encore de la marge pour la production. Alors concernant donc l'année 2022, a été une année très problématique pour les apiculteurs. La première difficulté qu'on a rencontrée donc avec deux cyclones, Emlati et Batsirai, donc la mielle béreuse a été mauvaise. Suite à cela, le 5 juillet, on a découvert pour une première fois sur le territoire national le petit coléoptère des ruches. Et donc dans les régions Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Philippe, donc il y a eu mise sous en confinement, on va dire, des ruches. L'activité apicole dans de bonnes conditions. Ce qui fait que même si on a eu une très belle floraison de litchi, dans cette région-là, la production n'a pas pu être au rendez-vous. Elle a été bonne dans les autres régions qui n'étaient pas réglementées. Mais 3 ans réglementés n'ont pas pu produire. Donc non seulement on n'a pas pu produire, mais on a également perdu énormément de ruches, non pas du fait du petit coléoptère lui-même, mais du fait qu'on ne pouvait pas s'occuper des abeilles comme on aurait dû le faire. Voilà. Donc le 5 juillet, on a découvert le premier cas. Il y a donc eu 12 foyers détectés. Les 12 foyers ont été éradiqués, détruits. Et depuis le 21 juillet, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a pas une nouvelle détection. Cependant, on reste sous les arrêtés préfectoraux de déclaration d'infestation, donc la PDI, et donc qui devrait être levé le 21 janvier. Mais on entend dire à la DAF que tant que les contrôles ne sont pas terminés, ils sont loin d'être terminés, ils risquent de ne pas être levés. Le problème des apiculteurs du Sud, c'est qu'ils ne peuvent pas exercer leur activité. Donc ils se portent très mal, parce qu'en fait, ils perdent la production, ils ne produisent rien, et ils ne peuvent pas s'occuper de leurs abeilles, donc ils perdent aussi les colonies. Hein. Donc on a besoin, nous, d'un grand bol d'air frais, qu'on arrête ces restrictions draconiennes, et que les apiculteurs puissent travailler. Sachant que moi, j'ai rencontré des scientifiques spécialistes du petit coléoptère des ruches, qui nous disent tous que ce n'est pas une maladie très grave. C'est mieux de ne pas l'avoir. Maintenant, si on l'a, il faut vivre avec. Et il y a des moyens de vivre avec et de continuer à produire du miel, même en présence du petit coléoptère. Il y a eu des renforts. Nous, on aurait préféré que ce soit conforme les gens sur place, plutôt que de nous envoyer des renforts. Donc ça a aidé vraiment, ça a permis d'aller un peu plus vite dans les prospections. Sachant que c'est quand même pour lors des contrôles un gros stress pour les abeilles, ça rajoute à tout, un manque d'entretien, mais aussi le contrôle lui-même est très violent, très stressant pour les abeilles, et donc on perd à ce moment-là des reines, on peut perdre même des colonies lors des contrôles. Donc pour nous, on pense qu'il faut contrôler. C'est sûr que c'est impactant sur les abeilles. Toutes les ruches brûlées ont été indemnisées. Donc les apiculteurs ont eu une indemnisation à la hauteur de notre demande. Donc là, de ce côté-là, on ne peut être que satisfait. Mais perdre son cheptel, rien ne remplacera. Même les sous ne remplaceront pas le cheptel qu'on a perdu.